Eh bien, salut tout le monde, c'est Asmo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin sur GTA RP. Vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, quand est-ce que je fais du GTA RP? Bah ça y est les potos, ça y est. Alors c'était long parce que en fait c'est vachement compliqué. Il faut pouvoir installer le logiciel, il faut pouvoir bien configurer parce que tout le logiciel en fait est en anglais. Du coup, quand on jouait c'était en QWERTY, vous savez, qu'à la place d'avancer avec la touche Z, il faut avancer avec la touche W. Donc c'était un peu le bazar. Donc du coup voilà, alors qu'est-ce que c'est GTA RP? Pour certains qui ne savent pas ce que c'est du RP, bah, c'est tout simplement, ça veut dire roleplay en fait. C'est-à-dire que vous prenez, vous faites la vie d'un personnage, voilà, par exemple moi c'est, voilà, je suis chauve. On se ressemble tous au début j'ai l'impression, parce que là je vois quelqu'un qui est pareil que moi en fait. Donc en fait le RP en fait, voilà, sur GTA RP en fait, vous voyez la carte en bas, sauf qu'on voit pas les points des personnes. Si vous regardez une personne qui est en train de voler une voiture d'ailleurs là-bas. Et on voit pas son point en fait, on voit pas le point sur sa carte, on voit pas son pseudo au-dessus de sa tête, on ne sait pas du tout voilà, comment il s'appelle, etc. Donc aussi pour parler, quand on parle à quelqu'un, on ne peut pas entendre ce qu'il dit, s'il est par exemple d'ici là, s'il parle, je pourrais pas l'entendre. Il faut vraiment qu'on soit à côté de la personne pour qu'il puisse nous entendre, c'est comme dans la vraie vie, c'est comme sur Altis Life aussi, s'il y en a qui regardent mes vidéos Altis Life, voilà, c'est exactement comme Altis Life, sauf que c'est sur GTA. Alors du coup, voilà, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi des métiers, on peut faire des métiers pour gagner de l'argent, parce que vous voyez que j'ai que 5 000 pour l'instant sur moi. On peut faire des trucs illégaux, hein, voilà. Et il y a aussi les gendarmes, donc la police, tout ça. Si on vole une voiture, on peut se faire arrêter, ou pire, hein, si on fait du trafic de drogue ou de ça, voilà. Je vous passe les détails, vous aurez compris à peu près ce que c'est le roleplay, c'est-à-dire qu'il faut bah, jouer le jeu de la vie tous les jours, quoi, voilà. Donc c'est parti les potos. Alors je découvre comme vous, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Alors je vais regarder la carte. Alors, du coup, on va regarder un peu déjà ce qu'il y a comme icône. Alors je vois un aéroport, appartement, armurerie, ok, auto-école. Alors oui, on peut passer le permis. Avocat, il y a des avocats, il y a des banques, il y a des bateaux, braquage, bureau de procureur, caserne de pompiers. Alors ça, je crois que c'était la police, maintenant, en fait, c'est les pompiers. Des hôpitaux, chauffeurs de bus, des clubs de strip. Alors ça, c'est des convois, fourgons blindés. Je sais pas trop ce que c'est encore, mais je pense qu'on le découvrira au fur et à mesure des épisodes. Donc les garages, pareil, je pense qu'on va découvrir. Gas station, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, ça, c'est des... Oui, parce qu'on peut aussi remplir sa voiture d'essence. Parce que voilà, comme dans la vraie vie, quand on conduit, on perd de l'essence et donc il faut aller à la station-service pour pouvoir faire le plein, tout simplement. On a des hélicos, joueurs visibles, ouais, sauf qu'on les voit pas, hein, donc je pense que ça, c'est un petit bug. Los Santos Custom, Lost en détention, ça, je pense que c'est des prisonniers ou je sais pas trop. Donc des magasins, ah, magasin de cannabis, ok. Donc des magasins de vêtements. Alors la mairie, alors oui, sur ce serveur-là en fait, parce que ce sont des serveurs, ce qu'il faut savoir, ce sont des serveurs, donc il y a des serveurs différents, qui sont modés différemment selon les administrateurs. Et là, l'administrateur, en gros, il a dit qu'on était à Paris. Donc il a ici, voilà, à la place, vous savez, de la police de Los Santos habituellement. Là, c'est marqué Gendarmerie de Paris. Donc c'est bien sympa. Donc on a la mairie de Paris avec le petit i, là, voilà. Ensuite, on a des maisons, ça je pense que c'est pour acheter. Pilote avion, ça c'est sûrement pour apprendre à piloter. Ah voilà, les postes de police. Ah bah si, c'est bien ce petit logo là. D'accord, donc ça c'est les postes de police. Producteur. Ok. Des banques. Banque avec un H, c'est bizarre. Routier. Ça c'est pour gagner peut-être des RP, je sais pas. Station de lavage, c'est sympa ça aussi. Des taxis. Et oui, parce que vous savez, dans GTA 5, il n'y a pas trop de taxis, il me semble. Il n'y en a même pas du tout, je me rappelle pas. J'ai pas trop joué mode histoire, mais je crois pas qu'il y ait taxi du tout en fait. Donc du coup c'est bien sympa, je m'en souviens qu'à GTA San Andreas et GTA 4, il y avait des taxis, c'était bien sympa. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est. On le découvrira je pense aussi. Trafic, livraison, tribunal, véhicule custom, yacht. Et voilà, donc on a fait le tour. Oui, comme je regardais en plus justement le tribunal. Ce que j'ai vu ou même vous l'avez peut-être vu dans certaines vidéos de certains youtubeurs. Si vous vous faites arrêter par la police, vous pouvez passer devant le juge. Donc voilà, bon, je vole une voiture au KLM. On va essayer de visiter un petit peu la ville. Donc c'est parti, allez. Oui, on peut se faire choper aussi par la police. Hein. Si je me fais choper par la police après,
Bah, rip ma vie, hein. Allez, donc, il faut essayer de conduire au moins RP aussi, hein, c'est-à-dire que s'il y a un feu rouge, essayez de vous arrêter, voilà, parce que sinon vous pouvez se faire, on peut se faire arrêter par la police. Donc voilà, il faut vraiment essayer de jouer un minimum RP. Alors voyez, je sais pas si vous voyez sur la pub en haut à droite, il y a marqué AMD Intel. Alors j'ai vu tout à l'heure aussi dans le métro, avant de tourner la vidéo, qu'il y avait des pubs genre Coca-Cola, il y avait une pub aussi pour Deadpool, pour le film Deadpool, il y avait des pubs un peu de tout, des Peugeot. C'était trop énorme, il y avait vraiment des pubs qu'on voit dans la vie de tous les jours en vrai quoi. Ah, on a Subway ici? J'aime bien la Subway, moi j'adore Subway. Enfin, je préfère KFC, mais. Alors, on a le magasin Audi. C'est trop énorme, sérieusement. Audi, quoi. Canon. What the fuck? C'est trop énorme. On croirait vraiment qu'on est dans. Peut-être pas dans Paris, mais. Alors, il me semblait tout à l'heure aussi. Alors, je ne vois pas sur cette voiture-là. Mais il me semblait avoir vu des plaques parisiennes tout à l'heure. Des plaques de voiture. Alors, vous voyez la barre aussi orange. En bas à gauche, c'est mon niveau d'essence, il me semble bien. Alors écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test. Je sais pas du tout comment on met l'essence, donc on va apprendre ensemble. Alors, on voit un gros cercle jaune, je pense qu'il faut se mettre là. Alors, turn off engine, ok. Donc ça, c'est pour klaxonner. A few moments later. Ah oui, d'accord. Il faut rester appuyé sur espace, c'est ça? Ah oui, d'accord. Ah bon, c'est un peu moins RP quand même là. Vous voyez, je reste appuyé sur espace en fait et ça remplit. Voilà, on est à fond. Du coup, pour redémarrer, on appuie sur E. Ok, d'accord. Oula, oula, doucement, doucement. Ok. Alors du coup, on va aller à la mairie. Et on va essayer de voir. Oula, oula, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ce bordel? Ça, c'est un joueur, ça, les gars, c'est un joueur. Alors, on va essayer de faire genre qu'on est un PNJ. Ah, je suis un PNJ, allez hop. Par contre, je me suis mis dans la mauvaise file. Ah, ce sont des joueurs. Ah oui, c'est un gendarme, les potos. C'est un gendarme et un joueur normal. Bon, allez, on trace de toute façon. On va aller à la mairie de Paris. Et on va voir ce qu'on peut apprendre. Oula, oula! Ah, c'est bon, c'est orange. Par contre, là, il y a un feu rouge. Bonjour, monsieur. Ah, ne faites pas comme si je vous avais pas vu, monsieur. Je vous vois sur votre PC là. Qu'est-ce que vous regardez? Regardez un film de truc ou quoi là? Ça fait peur quand même quand tu vois FBI. Bon, allez, on rentre. J'y suis un agent du FBI, vous inquiétez pas. Alors, bon, ça aussi, ça le fait pas trop. Mérite pareil avec un drapeau USA. Bon. Alors, je l'ai vu de sortir de vous là, de là. On peut prendre l'ascenseur? Génial! Bon, dommage qu'on voit pas trop vraiment le truc, voilà, dans l'ascenseur, mais c'est pas grave. Ok, mairie de Paris. Alors, nous sommes à la mairie, ça y est. J'ai l'impression que non, là on est retourné en bas, non? Non, on est retourné en bas, les poteaux, là. C'est quoi ce bordel? Je vais aller à la mairie! D'accord. Et what? Je comprends pas les poteaux là. C'est quoi ce bint? Est-ce qu'on est au 49e étage, monsieur? Non, toujours pas. Bon, je crois que votre ascenseur ne fonctionne pas. Est-ce que celui-ci fonctionne mieux? Est-ce que je peux. Je n'ai pas l'impression que votre ascenseur marche. Hein. Écoutez, c'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Personnel online. Only, pardon. Online. Bon, on va sortir d'ici. Entre nous, franchement, ce qu'on va faire là, de suite, avant de trouver un job, franchement, hein, entre vous et moi, c'est vraiment trouver, se changer les fringues. Mais c'est quoi ces pompes, sérieux? Oh, je vais pas jouer aux échecs là. C'est quoi ces pompes? Entre vous et moi, j'ai un petit air à Eminem, non, quand même. Ou à Bruce Willis. On va mélanger peut-être. Non, faut que je me change sérieux, les mecs. Faut que je trouve un magasin de fringues, là. Et un coiffeur. Je sais pas s'il y a des coiffeurs ici aussi. Ok, un stop. What the fuck? C'est quoi ce mec?
Alors, on va chez Ushiro. Est-ce que c'est Shiro à Ushiro? Je ne sais pas. Ah non, c'est pas Ushiro? C'est quoi? C'est Ponzombis, Porto La Drive. Oh là là. Il n'y a pas de la marque. Moi, je veux des Adidas, monsieur. Il y a quelqu'un? Ah, la vendeuse, non? Ok. Bon, je pense que là, c'est moins CRP quand même. Alors, custom. Ah, yes. Alors, des cheveux. Ah, bah voilà. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a au niveau des cheveux. Non, mais tu m'as pris pour qui, là? Ah, qu'est-ce qu'on va mettre les poteaux? C'est un peu bizarre, ça, quand même. On peut pas tourner un peu le perso, là, pour voir. D'accord, ok. J'ai rien dit, ne t'énerve pas. What the fuck? Alors bienvenue sur GTA Sims RP. Aujourd'hui, nous sommes en train de customiser notre personnage. Alors, nous allons voir. Bah, je pense qu'on va prendre cette coupe-là. C'est celle de mon personnage principal sur GTA. La couleur des cheveux. Alors, je vois pas trop parce que j'ai le soleil en pleine gueule là. Là, je vois bien que c'est. Ah, merci. Le soleil est parti. On est d'accord pour dire que c'est noir, hein, la première. Violet, vert. Bon, on va prendre celle-ci. Ah, le torse. Ah, bah oui, voilà! Ah bah parfait ça! C'est quoi ces trucs? What? What the fuck? C'est un peu chelou par contre. Oui, je veux des bras. Je veux des bras. Du moment que j'ai des bras, ça me va. Mais entier. Entier si possible. What? What the fuck? Bon, donne-moi des bras. Donne-moi des bras. Voilà, c'est très bien. La texture. Ah, c'est les gants, d'accord. Ah, ça c'est le t-shirt, les potes. What the fuck? Ah, ça irait bien avec les choses. Mais what? Qu'est-ce qu'ils ont avec les échiquiers ou les damiers? Je sais plus. Ah, c'est déjà un peu plus sympa ça. Regarde un peu ce qu'il y a. Ah, ouais, 157 quand même. Voilà, ça ira nickel. Ok, ensuite, torso extra texture. D'accord, en fait, c'est pour voir à peu près. Mais ils sont chiants avec leurs damiers là. Et mis donc ça. Hein. Non, allez, laisse-moi comme ça, c'est très bien. Le pantalon. Non mais t'es sérieux mon gars. Allez, celui-là est pas trop mal en changeant de couleur. Non, 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 non. Enfin, je pense qu'on va prendre noir parce que le bleu est pas terrible. Ah les choses, ah oui. Ah, c'est mieux franchement. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Non. Non. Ça peut passer aussi. c'est pas mal, mais ça va pas du tout avec. Ah non, alors là, jamais de la vie. Jamais de la vie, bon. Tu m'as pris pour quoi, là? Ouais, c'est pas mal. Ah, mais c'est des Adidas, là. Et après, tu peux changer aussi. Ah, bien ça. Ouais, bah écoutez, les gars, je vais rester là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme couleur? Ouais, on va rester comme ça. Body accessoire. C'est quoi ça? C'est le dessous, non? C'est le t-shirt du dessus? Du dessous? Ah non, c'est pour avoir des cravates et tout. Ah non, je veux rien, je veux rien, moi. Je veux pas de cravate, je veux rien. Ah, ça, c'est le t-shirt du dessous. Ok. Oula! Il est troué ou c'est buggé? Non, non, c'est buggé. Oula, là, par contre, ça va pas le faire, les gars. C'est pas terrible, hein. C'était où? Putain, je vois pas avec leur truc de. Ouais, c'était ça. What the fuck, qu'est-ce que j'ai pris comme t-shirt là? Puis on va prendre ça, mais alors par contre, du coup, on va changer le t-shirt, ça va pas du tout là. Ouais, prenez. Ah, je peux pas changer la couleur, merde. What the fuck, mais c'est quoi ces t-shirts? Oh là là. Ouais, mais moins simple. Ouais, nickel. Alors j'espère que c'est moins buggé. Ah, il y a des petits trous quand même, hein. Bon, c'est déjà mieux. Bon, écoutez, voilà. C'est déjà mieux qu'avant. Hein. Au moins, je suis moi. Ma voiture, elle est où? Elle est là-bas. J'ai eu peur. Allez, ma petite voiture. Ma Mini Cooper. Avec la vitre cassée, c'est pas grave.